Bonjour monsieur, comment vous appelez? Je m'appelle monsieur Commandant Lévis. Et vous vivez où? J'habite derrière la mission catholique de Kamna. Et pourquoi vous avez décidé de participer à cette formation? Parce que nous souffrons trop de l'eau à Kamna pendant la saison sèche. Et le fourrage même, ça ne marche pas. Oui. Okay. Alors, qu'est-ce que vous avez appris donc pendant ces 4 semaines? On a appris à canaliser l'eau de pluie pour la première fois. Oui. Faire le fourrage qu'on n'a même pas réussi, mais à cause de pierre. Oui. Nous allons continuer toujours à forer jusqu'à trouver l'eau avant d'abandonner. Et vous avez appris à fabriquer le matériel pour tout ça, non? Pour les matériels. Les valves, j'ai appris que vous avez fait. Nous avons tout appris. Oui. Et ça va nous servir dans le temps. Oui. Oui, où nous serons seuls. C'est... Oui, entre nous-mêmes. Pensez-vous qu'avec ces connaissances, pourrez-vous gagner votre vie? Oui, on pourrait gagner la vie. Pourquoi? Parce qu'avec ça, nous pouvons travailler quelque part, avoir des recettes. Oui. Et j'ai cru entendre que l'ONG WebDev Foundation devait mettre à votre disposition un atelier pour continuer le travail. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On souhaite qu'ils nous laissent l'atelier, qu'ils nous laissent un atelier complet pour que ça nous sert à nous débrouiller et lui rendre compte de ce qu'on a fait ici au village de Bangwa. Qu'est-ce que vous direz donc à la population de Bangwa et ses environs? Non, nous allons les conseiller de nous suivre pour que nous cherchions ensemble à avoir de l'eau potable. Dans des maisons. Okay. Dans nos maisons. Merci beaucoup. Bonne chance, bonne continuation dans vos activités. Okay.